Le 25 février 2024, plus de 200 civils ont été tués par l'armée burkinabé dans deux villages situés dans le nord du pays. Cette vidéo contient des images dérangeantes de personnes mortes et blessées, réservées à un public averti. Ce que vous voyez ici, ce sont des fosses communes où sont enterrées des victimes de l'un des deux villages. Ce massacre constitue l'une des attaques les plus meurtrières perpétrées contre des civils au Burkina Faso depuis 10 ans. Les exactions de l'armée sont récurrentes au Burkina Faso. L'armée a commis, à plusieurs reprises, des massacres de civils qu'elle accusait de soutenir les groupes islamistes armés. Ces groupes armés sont également responsables de nombreuses graves exactions. Le 25 février 2024, après que des groupes islamistes armés ont attaqué une base militaire non loin du village de Nondin, les soldats se sont rendus à Nondin et y ont tué 44 villageois, dont 20 enfants, apparemment en guise de représailles. Ils ont ensuite tué 179 villageois, dont 36 enfants, dans le village de Soro, situé à proximité. À ce jour, personne n'a été tenu de rendre des comptes pour ces actes. Les autorités du Burkina Faso devraient enquêter sur les massacres avec l'appui de l'Union africaine et des Nations unies. Les survivants, les victimes et leurs familles ont droit à la justice par le biais d'enquêtes crédibles et de procès équitables.